Bien le bonjour, mesdames, bien le bonjour, mesdemoiselles, bien le bonjour, messieurs. Nous voici sur le 5e épisode de Pokémon Stadium. 5e épisode, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a réussi à obtenir les badges Roche, Eau, Électrique et Plante. Voilà. Les deux dernières arènes nous ont posé un petit peu de difficultés, donc je pense que ça va aller crescendo, cela va de soi. Et donc, on va voir un petit peu ce qui nous attend de mémoire dans la citadelle. Le prochain adversaire, ce sera Koga et son arène. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Hop. Alors, on va voir à quelle sauce on va être mangé. Oui, je te valide. Oui, je vais au stade. Alors, direction la citadelle des champions d'arène. Et donc, dans cette citadelle, nous avons battu... Oui, combat. Nous avons battu Pierre, nous avons battu Ondine, Major Bob... Pourquoi je le prononce à l'anglaise, en fait? Major Bob. Qu'une idée. Erika, et nous sommes à Koga. Et Koga, je vous en avais parlé, j'ai un gros doute le concernant. D'après moi, dans mes vieux souvenirs, il est de type poison. Mais il se pourrait bien qu'il soit de type spectre, le bougre. J'hésite. Je ne sais plus trop. Ce qui n'a strictement rien à voir, bien évidemment. Mais bon, hein, maintenant qu'on y est, on va faire comme s'il était de type poison, puis on verra bien. On s'adaptera. Nous avons trois dresseurs. En plus du fait que, souvenez-vous, quasiment dans chaque arène, les dresseurs qui précèdent le maître d'arène n'ont pas des Pokémon du même type. Bon. Donc il va falloir être encore plus fourbe que les fourbes. Bien, s'il est de type poison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'oriente vers du psy, du sol. Je crois que c'est à peu près les deux... Alors en psy, moi je pense à un Pokémon en particulier, c'est forcément Alakazam. Alakazam. Qu'est-ce qu'il a Alakazam? Choc mental, protection, télékinésie et tunnel. C'est pas mal, mais c'est pas dingue. Hein. Kadabra, il a quoi? Rafale psy, cage éclair, frappe atlas et soin. C'est plus varié, j'aime bien. Et soin, ça peut être vachement utile. Donc on va prendre Kadabra. Bon. On va prendre Kadabra. J'ai dit quoi? J'ai dit Sol. Alors donc Sol, ça sera mon Nidoking. Nidoking. Il est par là. C'est bien lui, hein, qui avait... C'est ça, qui avait Séisme, qui peut être très utile. Et lui aussi, il a des attaques très variées. J'aime bien quand ils ont... vu qu'il n'y a que 4 attaques, quand ils ont un maximum de variété dans les types. Ok, Nidoking, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre en sol? Trio Piqueur, est-ce qu'il faisait le taf? Il a Tunnel, ça nous a bien rendu service, je crois, la dernière fois. En psy, et qui peut être très utile avec son point glace, je vais reprendre Liputou, parce que j'avais bien kiffé. Et que pareil, il faut toujours essayer de... Il faut toujours essayer de pallier aux dresseurs qui vont être avant. Gros bisous, je vous avoue, je ne sais plus ce que ça fait. Mania, ça peut rendre confus. Psycho, c'est assez fort. Donc ça, ça va me servir contre les types poison. Et point glace, c'est bien aussi. Ok, ça me fait... Donc il m'en manque deux. Je vais reprendre Magmar. Histoire d'avoir du feu. Force et point de feu, c'est quand même pas mal. Ça me paraît plutôt sympa. Et bah écoutez, donc j'ai deux psy, deux sol, un feu. Est-ce qu'on se prendrait pas un électrique ou un eau? Par curiosité. Magneton, il avait quoi déjà, lui? Non, pas assez varié. J'ai pas pris de roche, mais j'ai pas encore tenté les roches. Ouh, en plus, il a tunnel. Et Gravalanche. Parfait. En plus, il a Destruction, ça peut être pas mal. Bon, je passe un petit peu de temps hein, sur le choix de mon équipe, mais voilà, vous avez vu qu'une fois qu'on... Une fois qu'on s'est mis en ordre de marche, on peut plus rien faire. Hein. Ok, alors il nous propose quoi? Il nous propose Smogo, Tadmorve, Métamorphe, Mimitos. Bon, on a quand même du poison, d'accord. Lui, il est cohérent avec son... Il est cohérent. Alors, bon, on va se tenter Kadabra.
on va se tenter Nidoking. Et on va se tenter Gravalanche. Allez. Que j'ai pas encore sollicité pour le moment. Allez, fais-moi rêver. Ok, t'as de mort. Bon, je crois que j'ai Rafale Psy, hein, c'est ça? Ouf, j'ai lancé au pif. Je voulais regarder les attaques, j'ai pas pu. Et ça one-shot, Thierry. Bien. Allez, suivant. Je crois avoir compris une tactique, oui ou non, dans la répartition des boutons. J'ai l'impression que les attaques les plus fortes sont toujours sur le bouton du haut, en l'occurrence le X pour la manette Switch. Hop. Allez, je devrais être plus rapide. Parce que Kadabra, tout comme Alakazam, a cette particularité d'être très très rapide. Donc je peux le one-shot aussi. Allez, en plus j'ai fait un crit. Est-ce que je le one-shotais sans le crit? J'en sais rien. Mais ça commence bien. Ok. Alors ça, c'est un peu plus relou. C'est un peu plus relou. Mais je pense que Frappe Atlas peut le one-shot. Pas du tout. Alors, il se transforme en moi. Est-ce qu'il a la tête du métamorphe ou pas? Non. Non, 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 non. Bon. On va continuer sur la frappe Atlas. Qui est une attaque renversante. Ok. Bon, là... Non, pas cage éclair, pas juste à la fin. Bon, ça va le faire quand même, hein, évidemment. Oh, mais non. Non, fais pas ça. Oh, le pire truc du monde. Il me paralyse et il se soigne. Eh, fais pas le cancer, hein, j'espère que tu vas pas bourrer les soins. Respecte-moi quand même. Oh non, ça y est, il passe en mode infirmière le truc. Bon. Je vais tenter le Rafale Psy, mais normalement Rafale Psy, je lui fais peut-être pas autant de dégâts que ça. T'es relou. Ah, il est complètement paralysé. Les amis, cette rencontre est bouillante. Non, la rencontre, elle est pas bouillante. Il me paralyse et il se soigne à tour de bras. Et maintenant, il part. Allez, déparalyse-toi. Alors, combien de dégâts je lui fais avec mon attaque? Ouais, c'est pas terrible. Et en plus, c'était un critique. Donc, je vais continuer à bourrer Frappe Atlas. J'espère que lui va pas faire soin. Que vais-je faire? Mais t'es relou, mais t'es qu'un sac. Bah tant mieux, fous-toi des baffes, mon grand. Ah, il ne peut toujours pas bouger. Aucun d'eux ne sait se dominer. Ils se mettent en position de combat. Ah, cela a annulé sa... Oh là 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 là. Un bon coup. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une frappe Atlas. Oui, ses points de vie diminuent. Ne te soigne pas, hein.
Ça va. Bon, il me tue. Ok, métamorphe, le pire Pokémon du monde. J'avais pas fait gaffe à l'arène de type poison. En fait, on dirait que c'est, on dirait que ce sont des gros tas de morphes qui dégoulinent. On va se prendre, bah, j'en sais rien. Hein. On va envoyer Nidoking. Bon, j'espère qu'il va pas se soigner, hein, cette espèce de sac. Allez, je suis plus rapide ou pas? Non, c'est pas étonnant. Rafale Psy. Ça peut faire mal. Et ça fait très très mal. Ça devient Tandax ou c'est moi là par contre? Il est mignon, mais... J'avais une avance de dingue. Éboulement, séisme ou force? Alors, Rafale Psy, normalement, ça, bon, ça me tue pas. Hein. J'arrive même pas à moitié de vie, je pense. What? Bon, la tumeur maintenant! Oh, ce métamorphe de l'angoisse! Moi qui voyais ça facile. Bon. En fait, ils l'ont juste mis parce qu'il est violé, lui. Hein. Allez, motard. Battu. Dompteur. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares? Bon, là, déjà, ça monte d'un cran. Hein. Je vois qu'il a pas mal de deuxième évo. On a du Krabos. Non, c'est du Krabby ou du Krabos? Je crois que c'est du Krabos. On a du Machopper, on a du Boostiflore. Bon, alors, bah, y a pas mal de Pokémon plantes quand même. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Alors lui, par contre, y a très peu de poison. Il y a très très peu de poison. Alors, je vais prendre Lipoutou, parce que si je tombe contre Machopper, je peux lui faire très mal, ainsi que les autres avec mon point glace. Donc, hop, Lipoutou. Je vais prendre... Est-ce que je reprends Kadabra? Allez, je reprends Kadabra. Si je prends Nidoking, je vais me faire poutrer, et Triopiqueur aussi, et Gravalanche aussi, j'ai pas le choix. Je suis obligé de prendre Magmar. Et heureusement que j'ai varié mes teams. Hein. Le deuxième adversaire, le challenger se doit de garder son calme pour mériter la victoire. Ah oui, il faut garder son calme, je te fais pas dire. Allez, on repart sur des bonnes bases. Donc lui, il m'envoie cette espèce de truc dégueulasse. Donc du coup, ça, ça devrait pas lui faire du bien. Est-ce que je suis plus rapide? Oui, logique. Oh, il est tout gelé. Et en plus, je le gèle. Parfait. Il est complètement gelé. Oh, cette bataille est une tempête. Je ne sais pas si cette bataille est une tempête, mais on est bien. Ça tente des stratégies! Bah, tu vas prendre cher aussi, mon petit gars. Allez. Alors, si c'était pour faire ça, c'est pas la peine. Hein. Excellente question. Ok, Machopper, normalement je peux le one-shot, je suis pas sûr d'avoir une attaque assez forte. Ouais, c'est fort quand même, c'est fort. Je peux le one-shot. Il faut pas que je mise, parce que Psycho c'est peut-être pas 100% de précision. Yes. Attaque super efficace, je suis stabé, j'ai fait un crit, je ne pouvais que le one-shot. Ok, bon bah l'autre, est-ce qu'il revient gelé?
Il revient gelé. Bon. Eh ben, Lipoutou a roulé sur le game. Hein. Un combat inégal, s'il en est. Ok, très bien. Oh, cette trogne. Ah, c'est Komiya sur 20. Ok, le dompteur, c'est fait. On continue avec le jongleur, d'accord. Il m'envoie tout le cirque, en fait. Ok. Et le cracheur de feu, il vient quand ? Lui, il me propose... c'est full psy. What ? D'accord. Vous voyez, ça, je l'avais pas vu venir, par exemple. Je suis full psy. Et moi, j'ai rien de bien embêtant contre les psys. Donc, je vais prendre... Je vais prendre. Alors, je vais tenter un truc. Ouah, c'est chaud. Il faut que je me méfie du Flagados. Parce que je voulais commencer par Trio Piqueur pour commencer par un tunnel. Ouais, ça peut le faire, ouais. Ça peut le faire. Je vais prendre Trio Piqueur. Je vais prendre Lipoutou parce que, mine de rien, il fait le taf. Et je ne sais pas quoi prendre d'autre. Je vais certainement prendre Nidoking. Mais sans conviction. Oh, mais non. Allez. D'où tu veux copier, toi, une attaque comme ça. Allez, est-ce que au moins je le mets à moitié vie? Le problème, c'est que s'il me fait surf, je suis mort. Ah, ou même pas! Buldo, j'y passe. J'y passe. Ouais. Bon. Ok. Qu'est-ce qui me reste? Nidoking, je risque de prendre cher. Je vais le tenter quand même. Les combattants se font face. Et voici Nidoking. Allez, Nidoking, j'ai confiance en toi. Du coup, parce que je suis mal barré. Alors le problème, c'est que s'il me refait Buldo, je meurs. Oui, c'est point de vie. C'est rien. Ça lui fait pas grand-chose. Et voilà l'attaque. Ah, ça a diminué. Ok. Oh, cette bataille est une tempête. Allez, si je fais un crit, je passe. Fais un crit. Ok, donc là, je meurs. Et je passe à Lipoutou. Lipoutou qui sera plus rapide, donc je vais le buter. Mais par contre, il faut que je me fasse deux Pokémon derrière. C'est Tendax. Ouais, voici Lipoutou avec ses grosses lèvres. S'il en est. Je vous ai dit que je commençais à les connaître par cœur, les répliques, maintenant. Que va-t-il faire ? Ok. Donc ça, c'est normal. Et je me retrouve à 1 contre 2. Alors, qui m'envoie ? Monsieur Mime. Mon pire cauchemar. Monsieur Mime, mon pire cauchemar.
Donc Psycho, je pense pas que ça le tue. Non. Après, lui, est-ce qu'il a de quoi me faire mal, lui ? D'accord. On va tenter point glace, du coup. Bon, c'est pas mal. Frappe Atlas, je crois que ça va me faire mal, mais ça va pas me tuer. Ok. Du coup, je vais lui refaire un psycho. Et là, on va se retrouver à 1 contre 1. Donc, je ne sais pas qui va m'envoyer. Je suis complètement pas serein. Pour l'instant, ça tombe pas bien du tout, du tout. Ok, soporifique. Alors, je crois qu'il peut avoir hypnose, donc s'il m'endort, je suis mort. Je vais tenter un point glace. Je crois que je suis plus rapide, oui. Normalement, ça devrait pas lui faire du bien. Oh non, ça lui fait rien. Faut encore que je le touche deux fois. Donc Mania, ça sert à rien. Donc je vais pouvoir le toucher une fois. Allez, fais un crit. Non. Je ne sais même pas... Ah mais ça fait mal! J'ai plus qu'à espérer de que ça le bute. Et je crois pas, puisque... Yes! Et sans crit. 9 PV. Oh, j'ai envie de t'embrasser. Le jongleur, il était chaud, hein. Ça se complique, là, maintenant. Mais qu'est-ce qu'ils me mettent des Pokémon aussi avec des types incongrus? Alors, Aéromite, Grotadmorph, Mogogo, qui c'est qui peut être cancer là-dedans? Tac. Alors, on va commencer par Reliputou. On va prendre Kadabra, parce qu'il y a quand même pas mal de poison. Donc c'est bien ça, il était bien poison. Je ne me suis pas trompé. Et on peut prendre... Allez, vous savez quoi? Je vais prendre Magmar. On l'a pas encore pris ici. Et Magmar peut être très utile contre... C'est quoi que j'ai vu? Aéromite et Mimito, ça. Allez. Ok, gros tas de morve. Donc je peux lui faire très mal. Je pense que je suis plus rapide que Grotadmorph. Donc je peux lui faire très mal. Je suis pas sûr de le one-shot. Coup critique est super efficace. Ça one-shot. Allez. Suivant. Enfin, soyons pas trop sûrs de nous quand même. Hein. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Métamorph tout à l'heure. Hein. Aéromite, c'est pas mal. Je ne sais pas quoi faire sur Aéromite. Est-ce que je lui fais psycho ou est-ce que je lui fais point glace? Allez, on va partir sur le psycho. Les deux sont stabés. Et ça tue pas. Damoclès, ça fait mal. Est-ce que lui, il se blesse? On a vu que il se blesse. La dernière fois, ça n'avait pas fonctionné. Hein. Allez, hop, et on va faire point glace. Comme ça, c'est terminé d'Aéromite. En fait, les gars, je me rends compte que, et ça, je l'avais déjà dit, je crois, lors d'une précédente vidéo,
Ceux qui me posent le plus de mal sont pas les champions d'arène. Hein. Mais c'est normal parce que les champions d'arène, globalement, on est préparé. Et à partir du moment où on connaît le type. Ok, Nidorina. Oh, il dandine du fion. On va tenter ça. Allez, il me reste 3 Pokémon. Je suis plus rapide, évidemment. Hein, fermeté. Ça fait rien, Fatal Foudre, mon gars. C'est fort, mais ça fait rien. Il me paralyse pas. Allez. Eh ben, mine de rien, on a eu drôlement chaud. On a eu drôlement chaud. Koga. Bien. Eh ben, ça rassure. Ça rassure. On est toujours dans le game. C'était quoi? C'était par Mani, lui. Hein. Vous recevez la clé de Koga et vous ouvrez la tour de Morgane. Est-ce qu'il y a toujours une alternance garçon-fille, garçon-fille, au fait? C'est pas impossible. Parce que pour l'instant, on a fait 3 garçons et 3 filles. D'ailleurs, monsieur et madame, juste après l'apéro, ont une fille. Monsieur et madame, juste après l'apéro, ont une fille. Ondine. Car Ondine, juste après l'apéro. Alors, tac. J'aurais tellement aimé ne pas la sortir, celle-là. Allez, c'est parti avec les mini-jeux, les petites activités. À quelle sauce on va être mangé? Allez, nous sommes prêts. Et j'espère que ça va être mieux que le soporifique, hein, parce qu'il portait bien son nom. Le somniguerre. Alors nous avons Dingo Dynamo. Lorsque la lampe... Et les gars, faites des énoncés clairs, s'il vous plaît. Lorsque la lampe est bleue, appuyez rapidement sur A pour concentrer l'électricité. Appuyez sur B lorsque la lampe est verte. Appuyez sur le mauvais bouton vous fera perdre de l'électricité. Le premier à charger la dynamo gagnera. Vous avez compris, c'est encore une activité où il faut bourrer comme un dingue. What? Mais j'ai tellement rien compris. Mais aïe! J'ai rien, quoi. Alors j'ai bourré le A, hein, mais... Encore une fois, bah, alors soit c'est moi, soit l'énoncé, il est pas clair. Hein. Comment je fais... Non, je veux revoir les règles. Quitter. Alors, c'est quoi ce bordel? Lorsque la lampe est bleue, appuyez rapidement sur A. Appuyez sur B lorsque la lampe est verte. Ok. Je crois que j'avais zappé la première partie de l'énoncé. Oh, je suis pas mal là. Ah non! Je croyais que j'étais encore Pikachu, je me regardais à droite. Oh mais non! Mais ça fait encore mal ce truc-là. Mais je regardais Pikachu! Jouer encore. Ouais, donc en fait, on est toujours à gauche, quoi, qui qu'on soit. Allez, Voltorb. Non, Electrode. Je sais plus, je m'en fous. Ça fait mal au poignet. Mais what? Mais comment il a fait?
Mais comment il a fait? J'ai tout alterné, je connais les boutons par cœur. Allez, une dernière en normal. Et si je suis trop en galère, je la tente en facile. Mais ils vont tellement vite! Mais les gars, je bourre comme un dingue! C'est pas possible, ordi numéro 3. Comment ça, je suis de mauvaise foi? J'ai bourré comme un dingue, je vous dis, je sens plus mon poignet. Quittez. Ah, j'aurais pu mettre jouer à un autre jeu. J'espère qu'en facile, c'est facile. Allez, on se concentre. Je sais même plus les couleurs ce qu'il faut faire. Allez, ça c'est B. A. B. A. B. A. B. A. B. C'est une blague. J'ai mal au pouce. Arrête d'alterner les couleurs, j'ai mal au pouce! Ouais, les gars, il faudra peut-être penser à revoir vos niveaux de difficulté. Parce que il y a des mini-jeux où les faciles sont trop faciles. Et d'autres où les faciles sont quand même pas évidents. Hein. Ordi rouge, ça a failli. Hein. Bien! Ok, donc c'est bien. Hein, on s'est fait des frayeurs dans le Colisée. Non, pas dans le Colisée. Dans la Citadelle. Avec Koga. Et notamment son jongleur. Donc on s'est fait une petite frayeur, mais on est passé. Ce jeu-là, en fait, j'ai remarqué, c'est un peu la tête et les jambes. Hein. En tout cas, la façon dont je le fais. C'est-à-dire que vous avez vu, je fais une arène et ensuite je fais un mini-jeu, une mini-activité. Bon, je vais me mettre sur l'écran titre. Hop. Oui, donc vous avez vu, la façon dont je m'organise moi pour les let's play, c'est-à-dire que je fais une arène suivie d'un mini-jeu. Donc c'est la tête et les jambes. C'est-à-dire que on commence avec la citadelle. Qui fait réfléchir parce qu'au niveau strat, ben, il faut quand même être au point et connaître ses tables de type et se souvenir de quel Pokémon a quelle attaque, etc. Et ensuite, on passe à l'activité physique avec les mini-jeux. Bon, ça fait mal, hein. Pas se mentir, on n'est pas au niveau du ratata, mais presque. Bien, ben, j'espère que le contenu vous a plu. Nous, on continue à avancer tranquillement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce de type O. De type O. Pour la couleur et vers le haut pour le reste. N'hésitez pas non plus à activer la cloche pour recevoir les notifications lorsque les vidéos arrivent et à vous abonner. Nous, ça nous fait plaisir. On est de plus en plus nombreux et c'est chouette. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, je vous dis excellente semaine. Ciao, ciao!